Vinícius, viu? Boa noite a todas e a todos. É uma honra estar aqui nesta importante mesa. E, antes de mais nada, gostaria de agradecer muitíssimo os professores envolvidos com a organização deste evento, professor Ricardo Facinari, professor Pedro Novelli, e colocar aqui para a Faculdade de Filosofia e Ciências. É uma enorme satisfação receber esse nono Congresso Internacional Reigo da Sociedade Brasileira. Eu vi na programação de algo muito importante, é a primeira edição aqui no estado de São Paulo. Várias, as oito edições no Rio Grande do Sul e também no Nordeste, no Rio de Janeiro. Então, acho que é um marco para a nossa faculdade, pela primeira vez, e espero que em futuras edições também possamos ter a brilhante oportunidade de receber filósofos, pesquisadores o filósofo Hegel, e que possa nos abrilhantar com todo esse conhecimento. Gostaria de também registrar todo agradecimento a todos os servidores dessa faculdade que estiveram envolvidos na organização e dando o suporte, aos estudantes também da comissão organizadora, e desejo a todos que tenham um período de muito aprendizado, reflexão, trocas de experiências e parcerias ao longo desses dias aqui em Marília, e que tenham a vontade de retornar aqui para engrandecer a nossa faculdade. É uma honra muito grande ver inúmeros pesquisadores e pessoas de tão renome nacional e internacional buscando, então, trazer algo que será fundamental e de uma forma especial aos nossos alunos de graduação e pós-graduação. Desejo a todos, então, que aproveitem bastante e que a Faculdade de Filosofia e Ciências estará de portas abertas para recebê-los novamente em oportunidade futura. Obrigado. Eu passo a palavra ao professor Dr. Inácio Helfer. Bom, desculpa, eu não sei a ordem muito bem, é essa naturalmente, né? Não? Eu vou dar a instituição primeiro? Tá bom. Então eu passo a palavra a Ricardo Monteagudo, representando o Departamento de Filosofia aqui. Obrigado, Ricardo, por comparecer. Eu tinha preparado uma fala sobre a fenomenologia do espírito, mas o evento é sobre a enciclopédia. Vou deixar para lá, mas é com muita satisfação e alegria, né, que nós, do departamento, da faculdade, aqui do campus, recebemos um grande grupo de pesquisadores em Hegel, né? Talvez isso implique uma virada dialética aqui nas nossas tradições marilhenses, né? E quem sabe inaugurando mesmo, já que tem dois pesquisadores mais, muitos interessados em dialética, em Hegel, aqui em Marília. Então, é muita satisfação, alegria que nós recebamos todos vocês. E uma participação de todos, do nosso público também, vamos enriquecer os debates e abrilhantar a discussão filosófico-hegeliana brasileira. Passo então a palavra ao professor Dr. Inácio Helfer, presidente da Sociedade Hegel Brasileira. Boa noite a todos. Nós da Sociedade Hegel Brasileira gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a acolhida para a realização desse evento, o nono Congresso da Sociedade. Então, minha saudação especial e agradecimento ao professor Marcelo Naves, e um especial agradecimento também à coordenação do curso de filosofia, professor Ricardo Monteagudo, e um especial agradecimento aos organizadores, os três professores, dois aqui da casa, professor Ricardo Tassinari, Pedro Novelli e o Eduardo Baione, e toda a equipe de
bolsistas, mestrandos, doutorandos, né, que estão atuando na organização desse evento, deixando ele de uma forma muito agradável, descontraído. O local aqui também é muito aprazível, nós nos sentimos bem na universidade. Enfim, eu gostaria também, em nome da sociedade, falar que essa escolha do local, ela aconteceu lá no Rio Grande do Sul, há 2 anos atrás, e ela então foi sendo preparada, sobretudo, com a atuação do professor Ricardo, e aqui eu gostaria de fazer minha manifestação pública de agradecimento pela iniciativa e toda o trabalho que ele desenvolveu ao longo desses 2 anos, né? Um congresso como este, com essa magnitude, não se faz em pouco tempo. É necessário entrar em contato com agências, e o professor Tassinari conseguiu vários apoios, inclusive da FAPESP, né, mas conseguiu do CNPq, da CAPES, e tem mais um organismo? A PROEX. Pró-reitoria de extensão. Então, a pró-reitoria. Departamento de Filosofia também. Ok. Então, parabéns por todo esse trabalho, né, e também um agradecimento que nós, a sociedade, fazemos a essas entidades que estão apoiando a realização desse evento, né. Bom, eu gostaria também de falar um pouco da atuação da sociedade e dizer o seguinte, que nesse período tivemos uma alteração na nossa revista para o melhor, né? Nossa revista agora, ela está com uma plataforma, a JOS, que é uma plataforma online, e isso facilita a submissão de artigos e avaliação também por avaliadores cegos, né, que não sabem quem é o autor. E quem está na frente, está encaminhando, está na edição dessa revista, é a nossa professora Márcia Gonçalves. Eu agradeço, então, nesse momento. Eu sei que ela tem um grande assessor, que é o Federico Sanguinetti. Então, também, muito obrigado, né, pelo apoio. E o professor, que não está aqui ainda, eu não cumprimentei, o Fábio Nolasco. Ele já veio? Não sei se está aí o Nolasco. Não veio, né? Ele também está ajudando, auxiliando, né? Tem mais alguém que eu esqueci da equipe? Ah, o Criciúma. O Criciúma e o Luiz. O Luiz também. Então, toda a equipe. O Clotes. É maior, tá. Bom, então, enfim, nosso agradecimento, né? Gostaria também de fazer um registro, quero ser breve, tá? Nós tivemos agora, na semana passada, o lançamento da doutrina da essência, da ciência da lógica, e então eu gostaria de fazer o registro público, né? No ano passado, em 2016, foi feito o lançamento da doutrina do ser, a editora Vozes encabeçou, tem uma equipe de tradutores, no qual se inclui a Mar Loren, a professor Iber e o professor Agemir Bavaresco,
mas eu sei que tem mais nomes que estão participando, ao Federico Orsini, a Micaela também, bom, tem mais alguém que eu estou vendo aqui, não? Enfim, é um trabalho de várias mãos, várias cabeças, e é um texto muito importante para nós, hegelianos, né? Embora estejamos festejando o bicentenário da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, de 2017, mas para nós, que já temos a tradução feita pelo Padre Marcelo, né? Paulo Menezes e Padre Machado, né? É muito importante esse acontecimento dessa tradução, que agora a gente está aguardando já o terceiro volume, né, que é a Doutrina do Conceito. Bom, as secretarias de publicações da sociedade, ela publicou um livro online sobre os 200 anos da enciclopédia, pela editora FI, através da atuação e organização, sobretudo, do professor Jamir Bavaresco, que é o responsável pela Secretaria de Publicações. Então, este livro, embora fisicamente não seja possível encontrá-lo, né, mas na rede já foi feita uma divulgação e talvez possamos circular uma mensagem de novo para divulgar esse texto. Então, também registro esse fato e esse agradecimento por essa atividade. Bom, como o Baione falou, vou reforçar algo que diz respeito à nossa sociedade. Se mais pessoas, né, quiserem aproveitar esse período para acertar as contas com o tesoureiro, que é o professor Baione, é importante, porque a gente, durante o ano, ou esses dois anos que se passam entre um congresso e outro, né, dificilmente a gente se vê, quer dizer, a gente se encontra, mas é tudo tão rápido, né? Então, reforçar a lembrança de fazer o pagamento, e que não é uma taxa muito alta, não, a taxa é baixinha. É também fazer o registro daqueles, e o convite, né, para aqueles que gostariam de se associar, ingressar na nossa sociedade e ser membros. Então, isso pode ser feito com o professor Baione e o professor Konzen, que está com, ele tem todas o traquejo, as fichas, né, que pode nos auxiliar nesse sentido. Bom, e é isso que eu teria a dizer, né? Eu gostaria, para finalizar, apenas dar novamente minha saudação a todos os que estão aqui participando, aos palestrantes, né, aqueles que vêm de fora, de longe, de outros países, a França, Portugal, temos do Chile e... do Peru. Da Itália, é. A Itália e da Alemanha também. Bom, então agradecer a todos esses conferencistas, palestrantes que aqui estão. E é isso. Muito obrigado e uma boa continuação, então, no nosso evento. Bom, para finalizar, então, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que já ajudaram até aqui, pois, acreditem, tem muito trabalho, eu não imaginava que era tanto, mas não por causa disso, aceitaria, acho que é importante a gente fazer esses eventos né, para a nossa comunidade, é aqui que a gente tem essa oportunidade de trocar as nossas reflexões sobre Hegel, que é um autor que a gente gosta muito de ler, de pensar sobre, de trazer, né, as diversas reflexões.
Gostaria de agradecer a vocês que vieram participar do evento, sem a qual o evento não existiria, apesar que a gente fala com a gente mesmo, a gente escuta também, mas é muito importante que tenha mais gente vendo, isso dá um ânimo para a gente, se sente prestigiado, né? Aos professores que aceitaram o convite, né, de vir fazer, ao Pedro Novelli e ao professor Eduardo Baione, que me ajudaram na elaboração dos projetos iniciais, na organização do evento aqui. Baione estava reclamando que eu não deixava ele dormir por causa do caderno resumo, ligava 2 horas da manhã para falar. Então, agradeço muito o empenho, que foi além do profissional, foi de fato uma paixão para fazer, e isso é muito bom. E aos alunos que estão dando um suporte inestimável, sem o qual o evento não estaria acontecendo da forma com que está acontecendo, o carinho que vocês estão dando e o empenho, né? Eu não vou nomear todos, porque eu vou esquecer de alguém, né? Mas vocês sabem o que estão fazendo e o quanto são importantes nesse evento. Né? Tudo bem? Obrigado e vamos dar início já. Ixi, eu tinha que fazer uma introdução, mas eu tenho que falar dele. Acho que não. Ixi, eu não fiz a ficha corrida dele. Bom, eu gostaria de convidar para compor a mesa o professor Gilles Marmassi, da Universidade de Poitiers. Gina Propare, um historique de... Pas de problème. Okay. Bom, eu infelizmente não preparei um histórico, mas quem é da área conhece a grande atuação que Gilles tem na comunidade, o pensamento vigoroso hoje na Europa de Hegel, e na publicação, ajudou na publicação das edições críticas de Hegel, atual, tem vários livros compostos sobre filosofia da natureza, sobre direito, normatividade. Foi professor à Sorbonne, Paris, Panthéon Sorbonne, Paris 1, né? E ele, então, nos dá a honra de apresentar um texto que ele trabalhou, está fresquinho, né? Tem um erro aí, já eu notei, de não é por lá, é para, né? Em que sentido para Hegel a filosofia é verdadeira, mas está certo na programação, né? Então, é isso, ele vai apresentar para a gente em francês e eu vou passando o texto em português para as pessoas poderem ler, certo? Obrigado, Gilles. Est-ce que ça fonctionne, non? Bien. Eh bien, je remercie chaleureusement les organisateurs de ce beau colloque de m'avoir invité. C'est pour moi un plaisir autant qu'un honneur. Et ce plaisir est d'autant plus vif. Non, je n'ai pas encore commencé à lire mon texte. C'est la traduction. Je disais... Bon, voilà, je disais que ce plaisir est rendu d'autant plus vif que je constate que beaucoup de philosophes brésiliens et portugais parlent français. Et ça me rend d'autant plus confus moi-même de ne pas parler portugais, excusez-moi. Donc je vais lire mon texte en français et je remercie très vivement Ricardo d'avoir bien voulu le traduire. Donc la question posée, en quel sens la philosophie pour Hegel est-elle vraie? En quelle mesure la systématicité est-elle un attribut essentiel de la pensée hegelienne? La systématicité, en effet, a concentré une bonne partie des critiques qui se sont adressées à l'hégélianisme. Peut-on considérer que c'est là son aspect le plus faible
et dont on pourrait éventuellement faire abstraction pour reconstruire un hégélianisme actualisé et acceptable. Aujourd'hui, la notion de système semble impliquer, pour ce qui concerne la connaissance, une rationalité de type mathématique qui poserait toute chose comme déductible et tout devenir comme anticipable. En outre, pour ce qui concerne l'action, l'idée de système semble connoter le nécessitarisme, lequel entraîne à son tour la négation de l'originalité et de la créativité. D'où l'idée de système a donc quelque chose d'étouffant. Et de manière caractéristique, Adorno, par exemple, dénonce dans la systématicité une pensée identificatrice qui chercherait à intégrer tout ce qu'elle rencontre. Il y aurait là, à ses yeux, une impossibilité logique, à moins de faire violence au réel. Sur un mode explicitement anti-hégélien, il écrit que le tout est le non-vrai. De manière proche et en s'inspirant de Bataille, Derrida explique que l'idée de systématicité buterait sur un résidu irréductible. Par exemple, la mort et le sacrifice défieraient à ce point la raison qu'on ne pourrait les inclure dans aucun processus ni aucun système. C'est là, dit-il, la tâche aveugle de l'hégélianisme. Un fait que les lectures contemporaines de Hegel laissent volontiers de côté la systématicité. On le constate, par exemple, chez Axel Honneth, qui se propose d'interpréter les principes de la philosophie du droit sans se référer aux principes méthodologiques tirés de la science de la logique. Alors, je me propose dans cet exposé de revenir sur certains aspects de la revendication de systématicité chez Hegel pour tenter d'en saisir d'un point de vue interne la justification et la fécondité. Je chercherai d'un même élan à saisir ce qui distingue pour Hegel la philosophie des autres modes d'expression du vrai et en particulier de l'art et de la religion. L'hypothèse que je défendrai est la suivante. Pour Hegel, la systématicité comme condition de la scientificité se substitue à la mathesis universalis des cartésiens. Elle ne connote cependant pas une pensée statique et close, car le système, quand il est authentiquement spéculatif, est vivant et caractérisé par un devenir imprévisible. La systématicité, d'un point de vue hegélien, est en réalité la condition d'une pensée autonome. Alors, première section dans mon exposé, philosophie et totalisation, et premier point donc, totalité et vérité. Hegel, je cite, « La philosophie est essentiellement une encyclopédie en tant que le vrai peut seulement être comme totalité. Une démarche philosophique sans système ne peut rien être de scientifique. » Fin de citation, une citation extraite de la science de la logique de l'encyclopédie. Alors, comment comprendre la notion de systématicité ? L'exigence de totalité doit-elle être comprise comme une exigence d'exhaustivité ? On pourrait en effet soupçonner Hegel de prétendre concurrencer la série entière des sciences existantes en une sorte de monstrueuse compilation des savoirs existants. En réalité, l'idée de totalité ne coïncide aucunement avec celle d'exhaustivité. Et l'on ne peut identifier le caractère encyclopédique
et la prétention à la complétude. À de multiples reprises, Hegel insiste sur le fait que le discours philosophique n'a pas à examiner intégralement les domaines qu'il aborde. Je cite, « En tant qu'encyclopédie, la science n'est pas exposée dans le développement détaillé de sa particularisation, mais doit être bornée aux éléments initiaux et aux concepts fondamentaux des sciences particulières. » Voilà, la philosophie porte sur les lignes fondamentales du savoir. Et Hegel se moque régulièrement des sciences empiriques détaillées qui ne cessent d'ajouter de nouveaux chapitres à leur traité. Et par exemple, il se moque de la science naturelle, de l'ornithologie, qui compte 167 espèces de coucous, dont l'une se distingue par la forme de la houppe qu'elle a sur la tête. Fin de citation. En un mot, la philosophie pour Hegel n'a pas à étudier le détail de ce qui est. Aux yeux de Hegel, et là je suis en train de dire des choses très simples, la philosophie est une encyclopédie, une encyclios paideia, littéralement une éducation embrassant tout le cycle du savoir, non pas au sens où elle serait la somme de toutes les connaissances possibles, mais au sens où elle organise son contenu en se fondant sur un unique principe. Une totalité désigne en effet chez Hegel une organisation telle que les différences sont unifiées par un principe immanent qui s'expriment en elles, en leur assignant à chaque fois une place définie dans l'édifice considéré. Hegel donne comme exemple de totalité l'histoire de la philosophie contre l'opinion selon laquelle les diverses doctrines naissent fortuitement. Il affirme que chacune ne représente en fait qu'un degré du développement historique de l'unique philosophie existante et que les principes fondateurs de chacune d'entre elles ne sont que des rameaux d'un seul et même tout. La totalité, enfin la notion opposée à celle de totalité, c'est l'agrégat entendu comme une série d'éléments dont la présence des uns est sans nécessité au regard des autres, et qui, pour cette raison, peuvent être soustraits sans que la nature, ou plutôt la non-nature, de l'agrégat ne soit modifiée. Et l'origine kantienne de cette thématique est tout à fait claire, puisque la critique de la raison pure oppose déjà le système et l'agrégat dans les termes suivants, je cite, « Cette idée postule donc Je cite la critique de la raison pure. Donc, cette idée postule donc une unité intégrale de la connaissance intellectuelle qui fasse de celle-ci, non pas simplement un agrégat accidentel, mais un système lié suivant des lois nécessaires. Donc, l'idée de systématicité, c'est organisation, condition de la scientificité. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout une idée propre à Hegel. L'ensemble de l'idéalisme allemand, en tout cas c'est très net chez Reinhold et Fichte, revendique la systématicité. Mais alors pour être un petit peu plus hegelien, j'ai cité plus haut l'affirmation qui associe systématicité et vérité. Alors comment comprendre le lien entre les deux notions? Chez Hegel, le vrai désigne ce qui est conforme à son concept. Le qualificatif « vrai » exprime non pas l'adéquation d'un discours à un être extérieur au discours, mais une dignité ontologique qui consiste dans la conformité de la chose à son essence. Et cela, on le voit dans la distinction que propose Hegel entre exactitude et vérité. Je vais reprendre des considérations tenues par le professeur Sanguinetti tout à l'heure. Donc, citation,
exactitude, Richtigkeit, et vérité, Wahrheit, sont, dans la vie courante, très souvent considérés comme synonymes. Et l'on parle en conséquence fréquemment de la vérité d'un contenu là où il ne s'agit que de la simple exactitude. Celle-ci concerne seulement l'accord de notre représentation avec son contenu. Au contraire, la vérité consiste dans l'accord de l'objet avec lui-même, c'est-à-dire avec sa nature. Fin de citation. Et à la suite de ce propos, Hegel cite comme exemple de non-vérité la maladie du corps et la mauvaise action. Il peut être exact qu'un corps soit malade ou qu'un vol ait été commis. Cependant, le corps malade est non conforme à ce qu'il doit être, de même que la mauvaise action n'est pas adéquate à la norme de l'agir. C'est pour cette raison que l'un et l'autre sont non vrais. On retrouve ici le thème de la totalité. Pour Hegel, le corps est malade lorsqu'il est scindé, c'est-à-dire lorsque le principe unitaire ne parvient pas à gouverner les organes particuliers, ce qui a pour conséquence que certains d'entre eux se font valoir aux dépens des autres. De la même manière, une mauvaise action obéit non pas au principe du bien universel, mais à un intérêt égoïste. Par conséquent, lorsque Hegel déclare que le vrai existe seulement en tant que totalité, il s'agit là d'une proposition qui vaut de manière générale et non pas spécifiquement pour la pensée, ni a fortiori pour la philosophie. Le caractère totalisant de la philosophie n'est donc qu'une application particulière d'un principe général. De même que le corps est vrai, en bonne santé, lorsqu'il est constitué en totalité, la philosophie est vraie, intellectuellement pertinente, lorsqu'elle est constituée en totalité. Son caractère systématique se déduit d'une exigence formelle partagée par l'ensemble des moments du réel. La forme systématique du discours philosophique ne mime pas une éventuelle organisation rationnelle du réel, mais relève d'une nécessité interne. Il faut que la philosophie soit systématique pour qu'elle soit réconciliée avec elle-même, et elle sera vraie à cette condition. Lors, lire Hegel suppose de prendre la systématicité au sérieux. Bien entendu, il n'est pas interdit de chercher dans le texte des convictions implicites, non thématisées et non discutées, une vision du monde, une idéologie qui serait déterminante. Mais on ne peut s'en contenter à moins de renoncer à comprendre ce que Hegel a explicitement cherché à dire. Sa philosophie définit une règle immanente d'organisation, et c'est à partir de celle-ci seulement qu'on accède à la compréhension du texte. Un énoncé hegelien ne s'apprécie qu'en situation, ce qui signifie tout simplement que les propositions tirent leur signification de leur lieu d'exposition. Un énoncé hegelien ne s'apprécie qu'en situation, c'est-à-dire à partir de sa place dans le développement systématique. Alors maintenant, je passe au deuxième point dans ma première section, la critique des pensées non systématiques. Très bien. C'est dans ce cadre que l'on peut comprendre la critique adressée par Hegel aux philosophies non systématiques. Cette critique vise deux types de conceptions. D'un côté, la pensée immédiate, qui ignore la différence, et de l'autre, la pensée réflexive ou d'entendement qui ignore l'unité. Alors, en premier lieu, la dénonciation de la pensée immédiate.
reproche donc à cette pensée de dissoudre la distinction dans une totalité fusionnelle. Schelling, par exemple, dans l'exposition de Mon système de philosophie en 1801, avait défini le principe absolu des choses comme l'unité pure, comme le tout un, all-ein, en qui n'existe encore aucune différenciation, puisqu'il est antérieur à toute distinction et à toute détermination. Il n'y aurait alors ni sujet ni objet. Hegel renvoyant dos à dos, non, Schelling, pardon, Schelling renvoyant dos à dos, Spinoza et Fichte. De l'absolu, considérait-il, on ne peut affirmer qu'une chose, l'identité avec soi, la position de soi par soi, la connaissance immédiate de soi, bref, l'identité de l'identité. Et on connaît les formules utilisées par Hegel pour dénoncer cette conception. Je cite la préface de la Phénoménologie de l'esprit. Opposer ce savoir un que dans l'absolu tout est pareil à la connaissance différenciante et accomplie, ou qui recherche et requiert un accomplissement, ou encore donner son absolu pour la nuit dans laquelle, comme l'on a coutume de dire, toutes les vaches sont noires, c'est là la naïveté du vide de la connaissance. Pour Hegel, l'absolu est différencié. Et le savoir qui se contenterait de l'indifférencié en resterait à l'indéterminé et ne serait donc pas une connaissance véritable. En second lieu, la critique hegelienne prend pour cible la pensée qui se refuse non plus à la différenciation, mais à l'unification. Il s'agit de la pensée réflexive ou d'entendement comprise comme pensée séparatrice. Je cite, « La pensée en tant qu'entendement s'en tient à la déterminité fixe et à son caractère différentiel, Unterschiedenheit, par rapport à d'autres. Un tel abstrait borné vaut pour elle comme subsistant et étant pour lui-même. » Selon l'entendement tel qu'il est ici dénoncé, le vrai est statique et consiste en une série de propositions indépendantes, juxtaposées. Le savoir d'entendement n'est pas constitué d'une vérité qui se déploierait de manière à la fois différenciée et continuellement unitaire, mais d'une suite de propositions partiel. Par là même, il est aveugle à la nature véritable de l'objet et Hegel donne comme illustration le chimiste réflexif. Que fait-il ? Je lis, le chimiste introduit un morceau de viande dans sa cornue, le martyrise de multiples façons et dit avoir trouvé qu'il est composé d'oxygène, d'azote, d'hydrogène, etc. Mais ces matières abstraites ne sont plus alors de la viande, c'est-à-dire ne sont plus de la chair vivante. De même en va-t-il quand le psychologue empirique décompose une action selon les divers côtés qu'elle offre à l'examen et ensuite maintient ferme ceux-ci en leur séparation. L'objet traité analytiquement, c'est-à-dire de manière séparatrice, est en l'occurrence considéré en quelque sorte comme un oignon auquel on enlève une peau après l'autre. Fin de citation. Hegel, le vrai est différencié, certes, mais la différence n'est jamais le dernier mot du processus. La différence se résout nécessairement dans l'unité et c'est ce qu'ignore précisément la pensée d'entendement. Or, il y a un cas tout à fait caractéristique de pensée d'entendement, selon Hegel, c'est la mathématique. La mathématique est un cas typique de pensée réflexive, puisque les démonstrations mathématiques consistent à chaque fois en une série de propositions que ne relie que la pensée
du mathématicien et non pas l'activité de la chose même. Le plus grand reproche adressé au raisonnement mathématique est alors celui de n'être pas autonome. Par exemple, selon Hegel, le triangle ne met pas de lui-même et spontanément en évidence le fait que la somme de ses angles est égale à deux droits. Seul le mathématicien, extérieur à la chose même, par une série de constructions dont il tire l'idée de sa seule intelligence, peut amener ce résultat au jour. Je cite la préface de la phénoménologie, « Le mouvement de la preuve mathématique n'appartient pas à ce qu'est l'objet, mais il est une opération extérieure à la chose. » Et on peut dire la chose de la manière suivante, hein, « Le développement des énoncés mathématiques ne répond pas à une nécessité intérieure. » Je cite, « En ce qui concerne l'acte de connaître, on ne discerne pas, pour commencer, la nécessité de la construction. Elle ne procède pas du concept du théorème, mais elle est imposée et l'on a à obéir aveuglément à cette prescription de tirer précisément ces lignes. » Ce que Hegel évoque ici, c'est une construction géométrique, de tirer précisément ces lignes telles qu'on pourrait en tirer une infinité d'autres sans rien savoir d'autre, si ce n'est qu'on a bien confiance que cela sera approprié à la fin, qui est la conduite de la preuve. Vous voyez, le savoir réflexif, c'est un savoir qui procède de l'extérieur et qui finalement a quelque chose d'arbitraire et d'autoritaire. Par ailleurs, la mathématique a le tort de ne promouvoir ni véritable unité, ni véritable différence. Car l'égalité mathématique est posée entre des termes qui restent mutuellement indifférents. Par exemple, l'équation x égale 1 demi gt carré, non j'ai fait une faute là d'ailleurs, 1 demi gt carré, quoique incontestablement valide dans le cas des mobiles en chute libre, ne traduit pas un rapport causal ou un rapport d'accomplissement de soi, mais seulement, dit Hegel, une relation d'égalité quantitative. Et enfin, la mathématique est incapable de renoncer à elle-même pour se faire réalité non mathématique, c'est évident, à la différence de l'idée qui, comme on le sait, est capable de s'aliéner. D'où l'affirmation de la préface de la phénoménologie, qui est une attaque extraordinairement violente contre la mathématique. Le savoir mathématique se déroule selon la ligne de l'égalité, car ce qui est mort, parce qu'il ne se meut pas lui-même, ne parvient pas à des différences de l'essence, pas à l'opposition ou inégalité essentielle. Alors, pour Hegel, la mathématique permet sans doute de rendre compte des phénomènes de la mécanique. Elle intervient alors de l'extérieur, car ce n'est pas la sphère mathématique elle-même qui se produirait comme sphère mécanique. Donc Hegel ne conteste pas la pertinence de la démonstration mathématique, mais il considère qu'elle ne représente qu'un des premiers degrés de l'échelle de la rationalité. Alors, je me permets d'ouvrir une parenthèse anti-heideggerienne. Dans son traité Schelling, le traité de 1809 sur l'essence de la liberté humaine, Heidegger tente de caractériser l'exigence de systématicité, l'idée de système. Et il dit que l'exigence de systématicité est liée à 5 conditions. Le primat du mathématique, le fait que la vérité soit conçu comme certitude, le fait que l'ego cogito soit établi comme le premier et véritable objet d'un savoir possible, le fait que seul ce qui est vrai puisse être reconnu comme proprement étant, et enfin, le fait que la vérité de la foi
soit mesurée à l'aune de la certitude de soi, de la pure pensée. Alors, si vous voulez, il me semble que cette analyse proposée par Schelling vaut tout à fait pour l'universalis, pour l'idéal cartésien de savoir, mais est entièrement démentie par le concept hegélien de systématicité. Alors, il vaut peut-être encore pour Kant, peut-être pour Fichte, éventuellement le premier Schelling, mais à mon avis, absolument pas pour Hegel. Parce que pour Hegel, le modèle qui permet de penser aussi bien le savoir subjectif que l'être objectif, ce n'est pas la mathématique, c'est la vie. Ensuite, le système, pour lui, n'est pas destiné à fournir une certitude, mais tout au contraire, se substitue à elle. Hegel oppose toujours la certitude et la vérité, die Gewissheit et die Wahrheit. Pour Hegel, est vrai non pas ce dont je suis subjectivement assuré, mais ce qui se présente objectivement sur un mode mathématique. Troisièmement, pour Hegel, l'objet d'investigation n'est pas l'ego cogito, l'ego cogito, mais l'idée comme principe ontologique universel. Et en quatrième lieu, le système ménage tout à fait une place à la contradiction, c'est-à-dire au non-vrai. Et enfin, cinquièmement, chez Hegel, la foi est déterminée par la manifestation du divin et non pas dans la certitude, et non pas simplement dans la certitude subjective, elle trouve dans le divin sa légitimation. Alors, en définitive, il me semble que l'idée de systématicité est à comprendre comme une alternative à la mathesis universalis de Descartes et de ses successeurs, c'est-à-dire au modèle mathématique de la connaissance. Pour Hegel, la philosophie comme science au sens emphatique du terme, au sens authentique, n'invoque ni l'ordre ni la mesure, à la différence de Descartes. Elle ne prétend pas, sur le mode du calcul, tirer l'inconnu du connu, ni sur le mode de la démonstration, rendre indubitable ce qui ne serait originairement que problématique. D'un côté, en effet, la philosophie pour Hegel ne nous apprend rien que nous ne connaissions déjà. Par exemple, la philosophie de l'histoire est de part en part référée au savoir des historiens. La philosophie de l'histoire ne produit aucun fait nouveau ni aucune prétendue loi inédite de l'histoire. D'un autre côté, les faits qu'elle examine sont d'emblée considérés comme certains. L'enjeu de la philosophie pour Hegel n'est pas de produire de la certitude. En revanche, en rapportant ces faits à leurs principes, la philosophie produit un savoir adéquat, c'est-à-dire à la fois fidèle aux divers de l'expérience et tel qu'il rend compte de lui-même par lui-même. C'était la première partie de mon essai, et dans lequel nous avons vu ce que signifie systématique. J'aimerais maintenant examiner un autre aspect de cette question, à savoir la question de la vérité dans l'esprit absolu. Deuxième partie, la philosophie face à l'art et à la religion. La philosophie, dans le dispositif de l'encyclopédie, appartient, on le sait, à l'esprit absolu. Qu'entendre par cette notion et en quoi la philosophie peut-elle être considérée comme supérieure à l'art et à la religion? Alors, premier point, l'esprit absolu comme Aufhebung de l'expérience. Je voudrais poser la question vraiment basique, mais importante. Qu'est-ce que c'est que l'esprit absolu? Est-ce qu'il s'agirait d'une puissance cosmique, analogue par exemple au dieu de Spinoza ou de Leibniz, ou encore à la volonté de Schopenhauer?
si l'on admettait cette interprétation, une objection surgirait immédiatement. Prétendre connaître philosophiquement une entité transcendant aussi manifestement l'expérience trahirait l'outrance, la schwärmerei métaphysique du projet hegélien. Toutefois, lorsqu'on regarde le texte de près, on constate que Hegel défend une conception relativement modeste de l'esprit absolu, et ceci quand bien même elle est d'une puissante originalité. L'esprit absolu est à ses yeux une forme de savoir, enfin selon moi, une forme de savoir, et plus précisément, un savoir entièrement réconcilié avec son objet. Alors, pour le premier point, l'esprit absolu est constitué des formes de subjectivité qui se réalisent en tant qu'art, religion et philosophie. Il relève donc de l'expérience. Comme œuvre d'art, il est sensible et extérieur. Comme représentation religieuse, il est sensible mais intérieur. Et comme doctrine philosophique, il est intérieur et ressorti à la seule pensée. L'esprit absolu est non pas une puissance réelle, mais une forme de connaissance. Pour le second point toutefois, ce savoir n'est pas une simple connaissance, car en tant que réconcilié, il rompt avec les formes antérieures de l'esprit. Il procède d'un acte d'auto-formation qui est aussi un acte de libération. Je proposerai une analogie. De même que l'esprit en général, comme connaissance et action, est plus haut, plus riche en contenu et mieux fondé que la nature, de même, l'esprit absolu, comme œuvre d'art, comme doctrine religieuse ou œuvre philosophique, est irréductible au processus juridique, moraux et politique rencontré dans l'esprit objectif. Dans le parcours systématique de l'encyclopédie, en effet, nous n'avons encore jamais rencontré de totalisation véritable, de totalisation pleine et entière, c'est-à-dire de forme d'effectivité telle qu'elle serait parfaitement chez soi dans son autre. La logique pure, en effet, me semble-t-il, est indifférente au réel extérieur. Dans la nature, chaque étant s'oppose à un autre étant. L'esprit subjectif, quant à lui, reste incapable de s'inscrire concrètement dans le monde. Et les normes et les institutions de l'esprit objectif, enfin, ne se réalisent que localement et pour une durée limitée. L'esprit absolu, en revanche, s'harmonise parfaitement avec son objet. Et ceci, je voudrais l'examiner sur un exemple très particulier dans l'introduction des cours d'esthétique, hein, un exemple qui, à mon avis, vaut pour l'ensemble de l'esprit absolu. Ce sont les commentaires de Hegel sur les toiles du peintre espagnol Murillo, qu'il avait pu observer à la Galerie centrale de Munich, aujourd'hui l'Alte Pinakothek. Et des toiles qui représentent deux jeunes mendiants. Les mendiants dans la vie réelle, c'est-à-dire en tant qu'ils relèvent de l'esprit subjectif et objectif, sont, comme nous le savons, dans la détresse et l'anxiété. Les mendiants peints par Murillo, en revanche, sont d'une divine sérénité. Je lis la citation, « Pris extérieurement, l'objet elle a aussi emprunté à la nature ordinaire. La mère épouille un petit garçon tandis qu'il mâchonne tranquillement son bout de pain. » Sur un autre tableau, deux autres gamins, pauvres et vêtus de haillons, mangent des melons et des raisins. Mais au travers de cette demi-nudité rayonne justement, au-dedans et au-dehors, la plus complète insouciance, une nonchalance à faire pâlir d'envie un derviche
nés du plein sentiment de leur santé et de leur joie de vivre. Fin de citation. Alors, un texte en réalité très étonnant. Que nous dit-il ? Ce texte ne porte pas sur la mendicité réelle impliquée par la société civile. Dans la société civile règne l'inégalité, on le sait. Ce texte porte sur la mendicité transfigurée par l'art. L'art, selon Hegel, rend son objet idéal au sens où il le présente comme réconcilié avec lui-même et le monde. Bon, mais maintenant, la question fondamentale est celle du caractère de vérité de la peinture. Est-ce que la peinture de Murillo est une simple fiction, un fantasme ? Hegel ne nie aucunement l'irréalité de ce thème, mais il soutient que la représentation propre à l'esprit absolu est plus vraie, et le point est là, est plus vraie que le réel extérieur. En effet, la vérité se mesure à l'adéquation d'une chose à son concept. Or, les mendiants idéalisés expriment mieux l'essence de l'esprit que les mendiants réels en proie à la faim et à la peur. D'accord ? Le raisonnement est là. Hein ? Les mendiants de Murillo ne sont pas réels, mais ils sont plus vrais que le réel précisément parce qu'ils sont idéalisés. Donc, vous voyez, je soutiendrai que l'opération de l'esprit absolu, c'est cela en général, une idéalisation, mais qui est plus vraie, notamment, que l'ensemble des sphères qui précèdent dans l'ordre systématique. On peut faire notamment une même remarque à propos de la religion. La religion est un mélange de sentiments et de représentations par lesquels l'homme échappe à la coupure entre l'ici-bas et l'au-delà. Par exemple, s'agissant du christianisme, Hegel écrit « Dans le Christ, nous avons l'intuition, c'est une citation, « Dans le Christ, nous avons l'intuition de cette identité, comme fils de l'homme, il est fils de Dieu, pour l'homme-Dieu, il n'y a aucun au-delà. » Le point est là, il n'y a aucun au-delà. L'état d'esprit religieux, pour Hegel, n'est pas illusoire. Mais cependant, il ne trouve pas sa confirmation dans la réalité extérieure, mais en lui-même, en tant qu'il exprime un accomplissement immanent. En tant que j'ai la foi, je me divinise et je me réconcilie avec l'expérience, et c'est en ce sens que je suis dans la vérité. Et la philosophie, enfin, produit elle aussi une vérité qui dépasse l'expérience. La pensée philosophique, explique Hegel, considère toute chose sous la forme de l'universalité. C'est une Aufhebung, au sens où la philosophie inscrit les données éparses de l'expérience dans un système autofondé, fondé en l'occurrence sur la pensée de l'idée. Citation de l'introduction de l'encyclopédie, la pensée philosophique s'élève au-dessus de la conscience naturelle, sensible et résonante, dans l'élément sans mélange qui est le sien, et se donne ainsi tout d'abord un rapport d'éloignement, de négation avec ce commencement. Elle ne trouve ainsi sa satisfaction qu'en elle, dans l'idée de l'essence universelle de ces phénomènes. Vous voyez, l'important ici, c'est l'idée de négation, negation qui permet la satisfaction, Befriedigung. Et donc, c'est la négation du réel qui permet l'accès à la vérité. L'universalisation philosophique ne consiste pas à extrapoler une connaissance générale à partir d'un nombre fini de cas particuliers, selon la démarche de l'induction. L'universalisation philosophique, selon Hegel, consiste à introduire un principe totalisant dans les cas particuliers donnés. La connaissance philosophique
part certes de l'expérience, mais elle la métamorphose. Négation Aufhebung. Elle fait advenir dans la doctrine philosophique une réconciliation qui n'existe pas dans l'expérience telle qu'elle est donnée. Voilà. Donc, mon hypothèse générale, si vous voulez, c'est que l'esprit absolu produit une réconciliation qui n'existe pas dans le réel. Et c'est dans la production par Aufhebung de cette réconciliation que l'esprit absolu est vrai. Bon, alors maintenant, il nous reste à considérer la hiérarchie des formes de l'esprit absolu. Et voyons pour commencer les insuffisances, deuxième point, les insuffisances de l'art et de la religion. Ça va ? Je pense que ça va. Réfléchissons donc à ce qui distingue la philosophie d'une part de l'art et d'autre part de la religion. L'art dit le vrai. Cependant, de manière seulement sensible et à l'aide d'un motif singulier et contingent. Par exemple, au moyen de la figure des petits mendiants. Corrélativement, l'art ne s'adresse qu'à des spectateurs singuliers. Ce n'est pas le groupe, ni encore moins l'humanité en général qui jouit de l'œuvre, mais l'individu qui se trouve, par hasard, ici et maintenant face à elle. Par ailleurs, la liberté de l'esprit apparaît alors comme un simple fait, puisque l'œuvre n'exhibe aucune explication ni aucune justification de ce qu'elle manifeste. C'est pourquoi les jeunes mendiants, pour rester sur cet exemple, n'ont que la certitude de leur liberté et n'ont pas une connaissance véritable de celle-ci. D'ailleurs, tout comme le contenu de l'œuvre est infondé, son existence est sans explication. Selon les cours esthétiques, l'inspiration, die Begeisterung de l'artiste, est pour lui, je cite, le fait d'être entièrement empli de la chose en question. Fin de citation. Le génie artistique s'éprouve et se constate, mais l'artiste génial ne peut expliquer ni justifier ce qu'il fait. Plus encore, l'œuvre d'art est formelle au sens où elle n'investit pas l'épaisseur du réel. Alors que, on va le voir, dans la religion et la philosophie, l'esprit pénètre la profondeur de la subjectivité humaine, l'art consiste en une série d'œuvres qui ne font qu'orner le monde. Il y a donc lieu de lui reprocher son caractère superficiel. Deuxièmement, le moment religieux, quant à lui, constitue un progrès par rapport à l'art, puisque la liberté de l'esprit, telle qu'elle est ici manifestée, est non plus présupposée, mais activement produite par le divin et le croyant. Alors que la figure de l'art est essentiellement donnée, la religion est à la fois une théogonie, objectivement, et subjectivement, un chemin de conversion. Corrélativement, l'investissement de l'esprit dans le monde est non plus formel, mais réel. Alors que le tableau de Murillo, par exemple, n'est que l'image d'individus superficiellement habités par une simple certitude, le croyant, pour Hegel, est un individu réel qui est intérieurement habité par la ferveur religieuse, Andacht. Alors que l'art ne produit qu'une satisfaction sans contenu, une satisfaction subjectivement ressentie chez le spectateur et objectivement représentée dans l'œuvre, la religion permet à Dieu d'advenir à lui-même et aux croyants de se sanctifier. Toutefois, la religion n'échappe pas à l'abstraction. Je vous lis une citation
tirer des leçons sur la philosophie de la religion de 1827. On appelle une certitude foi dans la mesure où, pour une part, elle n'est pas certitude sensible immédiate, comme dans l'art, et pour une autre part, dans la mesure où ce savoir n'est pas non plus un savoir de la nécessité de ce contenu, comme dans la philosophie. La raison principale, la seule raison de la foi en Dieu est l'autorité. Le fait que d'autres qui ont du crédit à mes yeux, pour qui j'ai du respect, en qui j'ai confiance, car ils savent ce qui est vrai, croient cela, sont en possession de ce savoir. Et voyez, l'association de la religion, l'association de l'autorité à la religion, pour Hegel, c'est un défaut. Nous avons ici une critique de la religion. La religion est hétéronome. Et ce caractère hétéronome ne tient pas seulement à ce que la religion se rapporte à un donné, car la philosophie qui est autonome présuppose elle-même l'expérience et les savoirs non philosophiques. En revanche, la religion est hétéronome parce qu'elle est incapable de faire de ce donné quelque chose qui serait véritablement sien. Pour le dire autrement, elle n'introduit dans le donné aucune nécessité intérieure. Elle ne l'organise pas en une totalité. Bref, elle ne se rend pas libre en lui. Tout au contraire, elle a affaire à une extériorité irréductible et en reste dépendante. De même que le Christ s'exprime non pas au moyen de pensées rationnelles, mais au moyen de paraboles, le discours religieux, pour Hegel, est saturé de notions tirées de l'expérience sensible. On vient, et ce sera le dernier point de mon exposé, la philosophie à la philosophie comme connaissance discursive et autonome. Alors, comme l'art et la religion, la philosophie est caractérisée par l'universalité. Cependant, il ne s'agit plus de l'idéal sensible ni de la représentation croyante, mais du concept pensé. À la différence de l'art, la philosophie fait l'épreuve de la contradiction. Elle n'est pas toujours déjà chez soi dans le monde, mais elle affronte son irrationalité. Par ailleurs, à la différence de la représentation religieuse, où Dieu a besoin de l'homme et l'homme a besoin de Dieu, le concept philosophiquement pensé n'est pas médiatisé par une condition externe, mais par une raison interne. La philosophie n'est donc plus tributaire d'aucune présupposition qui ne ferait l'objet d'une Aufhebung. Elle saisit la nécessité de son contenu en l'ordonnant de manière systématique. C'est pourquoi son achèvement n'est pas une borne, mais un accomplissement. Citation, dans la science philosophique, le concept pose lui-même une limite à son auto-développement par ceci qu'il se donne, une effectivité qui lui correspond pleinement. Fin de citation. L'esprit philosophant réalise ainsi de manière ultime le télos de l'esprit, à savoir l'identification sujet et de l'objet, d'un sujet et d'un objet qui, l'un et l'autre, sont alors pleinement concrets et libres. La philosophie est le moment de la réconciliation par excellence. Pourtant, si la philosophie est un achèvement, nous n'avons pas à être intimidés par l'expression de savoir absolu que Hegel associe à la philosophie. D'un côté, la philosophie, selon Hegel, n'est pas une omniscience à l'image, par exemple, du savoir divin tel que le conçoit Leibniz. Le philosophe n'est pas celui qui accéderait à une connaissance supra-empirique,
ni à une connaissance du détail infini de ce qui est, mais simplement celui qui ordonne de manière rationnelle l'ensemble de l'expérience et des savoirs relatifs à l'expérience. La philosophie consiste non pas à connaître toute chose, mais à conférer une forme totale, car systématique, au savoir fini déjà disponible. Citation : En tant que la philosophie ne diffère que suivant la forme d'une autre manière de prendre conscience de cet unique et même contenu consistant, son accord avec l'effectivité et l'expérience est nécessaire. Fin de citation. Pourquoi, d'un autre côté, la philosophie n'est pas créatrice de l'objet de son savoir, mais relative à un monde présupposé. Citation : En tant que pensée du monde, la philosophie n'apparaît dans le temps qu'après que l'effectivité a achevé son procès de culture et est venue à bout d'elle-même. Pour le dire autrement, l'esprit philosophant, moment suprême du développement systématique, n'est ni créateur du réel, ni causa sui, mais en rapport à un contenu donné qui s'oppose à lui. Citation : Si les deux, l'immédiateté et la médiation, apparaissent aussi comme différents, aucun des deux ne peut faire défaut et ils sont dans une liaison indissociable, on peut dire que la philosophie doit à l'expérience, à l'a posteriori, sa première origine. En fait, la pensée est essentiellement la négation de quelque chose d'immédiatement présent. Vous voyez, on retrouve ce que je disais tout à l'heure de l'esprit absolu en général. Le monde doit être là pour qu'il y ait une représentation de lui dans l'art, la religion ou la philosophie. Le monde doit être donné. Mais le monde donné a toujours quelque chose d'irrationnel, de non réconcilié. Et la philosophie se constitue en niant ce qu'il y a d'irrationnel dans l'expérience donnée. Donc pour Hegel, même ce moment suprême qu'est la philosophie reste appuyé sur un donné qu'il ne produit pas lui-même. Je conclus. On reproche souvent à la philosophie hegélienne d'être close. Certes, le fait que la spéculation n'est pas référée seulement à elle-même, mais tournée vers le divers de l'expérience, nous l'avons déjà suggéré. Néanmoins, la thématique de la clôture renvoie aussi au fait que le moment de la philosophie dans l'encyclopédie semble indépassé, au fait que l'approche spéculative se présente comme incapable de se mettre elle-même en question, enfin au fait que Hegel ne semble guère envisager l'hypothèse que d'autres philosophies pourraient lui succéder et le récuser de manière convaincante. D'une certaine manière, donc, sa pensée prétendrait fournir le dernier mot de la pensée en général. On peut alors considérer que cette clôture est un motif valable de défiance à l'égard de l'hégélianisme. Mais on peut aussi y voir une incohérence interne. Comme le soutient par exemple Horkheimer à la suite d'Engels, il y aurait une contradiction entre la méthode dialectique qui tendrait à dissoudre tout dogmatisme et le système qui se présenterait, quant à lui, comme une vérité définitive. Alors, que penser de ce diagnostic? Est-ce que la pensée hegélienne est close et est-ce que c'est pour nous une raison de ne pas être hegélien? En premier lieu, la philosophie hegélienne établit l'unité systématique de l'ensemble de l'étant, c'est-à-dire de ce qui est
logiquement, naturellement et spirituellement. Or, les temps changent. Si la logique, quoique articulée en elle-même, reste d'une certaine manière identique à elle-même, et si la nature ne fait que se répéter, pour Hegel. En revanche, l'esprit se métamorphose essentiellement. Donc, en théorisant l'auto-transformation de son objet le plus profond, l'hégélianisme admet la transformation de la philosophie en général. La prise au sérieux des philosophies du passé en témoigne. Celles-ci, dit Hegel, furent de vraies philosophies, même si elles sont désormais caduques. Donc, certes, il y a chez Hegel un refus de principe de penser l'avenir qui, dit-il, échappe à notre expérience. En revanche, on ne peut pas accuser Hegel d'être aveugle au changement inéluctable de l'expérience et donc au changement de la philosophie qui la pense et relève elle-même de l'expérience. C'est le premier point. En second lieu, dans quelle mesure l'hégélianisme est-il capable d'évoluer ? Son contenu est donné et par là changeant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'expérience change. Sa méthode est essentiellement identique à elle-même puisqu'elle est une forme d'organisation. Elle est certes une forme complexe et articulée, mais elle demeure toujours un principe actif de totalisation. Quand on considère la philosophie hegélienne de la pleine maturité, on est frappé du fait suivant. D'un côté, les différentes éditions de l'encyclopédie et les leçons successives témoignent de variations considérables dans la teneur objective de la doctrine. De l'autre, cette dernière ne change ni de physionomie ni d'inspiration. La primauté de la méthode explique ce point. L'essentiel pour Hegel est toujours du côté de la forme, car c'est elle qui impose une identité au contenu donné. La méthode est dominante. Elle idéalise un matériau qui est trouvé et imprévisible, mais elle ne se met pas elle-même en danger. L'hégélianisme évolue, néanmoins, il ne se transgresse pas vraiment. Faut-il voir ici une faiblesse ? Peut-être. Enfin, Hegel ménage-t-il véritablement une place à l'anti-hégélianisme ? La réponse ici ne peut être que négative. On le voit bien dans son rapport à ses prédécesseurs, on le voit aussi bien dans son rapport à ses prédécesseurs que dans son silence à l'égard de l'hypothèse selon laquelle, dans l'avenir, des pensées radicalement nouvelles seraient envisageables. À ses yeux, nulle philosophie du passé ne met réellement la sienne en péril, au sens où elle ne serait pas réductible à un moment de l'hégélianisme. Au contraire, il considère que sa propre philosophie est capable de penser toute philosophie concurrente, c'est-à-dire d'en opérer l'Aufhebung. Il est certain que l'hégélianisme prétend délivrer une vérité ultime. Et cela, pour nous, est un motif d'insatisfaction. Je ne dirais pas qu'il y a chez Hegel une contradiction entre la méthode et le système, car le système est comme la méthode, vivant et en devenir. En revanche, je dirais qu'il y a bel et bien chez lui une tension entre l'idée de la souveraineté de la philosophie et l'insistance sur le caractère contradictoire et fini de l'expérience. Mais cette tension est justement ce qui rend le dialogue avec Hegel instructif et productif. Muito obrigado.
vamos fazer, vocês querem fazer questões? Vocês vão fazer, tá. Vocês fazem em francês e falam em português, querem fazer em português? Eu tô posso tentar cansado. Falar em francês, mas não sei se dá certo. Vamos, eu acho que vai ser legal te ouvir tentar falar francês. Com sotaque italiano. Je vais essayer poser la question en français, je ne sais pas si ça fonctionne. No parlo italiano. Bon, j'ai aimé la première partie de l'exposition. Je suis d'accord avec votre réflexion sur la systématicité et la totalité. J'ai une question sur la deuxième partie. Si j'ai entendu bien, vous avez dit que l'art, avec l'exemple d'étoile de Murillo, dépasse la réalité. La religion aussi, avec l'exemple du au-delà, dépasse la réalité. Et depuis, vous avez écrit que la philosophie dépasse l'expérience. Mais vous avez donné une explication verbale dans laquelle vous avez dit que aussi la philosophie dépasse la réalité. Dire que la philosophie dépasse l'expérience et que la philosophie dépasse la réalité, ça me semble deux thèses différentes. Et je ne sais pas si vous défendez les deux ou seulement la première des deux thèses. La philosophie dépasse l'expérience, la philosophie dépasse la réalité. Et la deuxième question est la suivante. Ça me semble que Hegel est considéré comme l'ennemi du donné en général. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui. Hegel est considéré comme... Oui. Et il critique tout ce que est donné. Et dit aussi que la philosophie n'a pas de présuppositions, des présupposés, ne présuppose rien. Comment pouvez-vous concilier ces affirmations du Hegel avec sa thèse, votre thèse que le monde est donné à la philosophie? Ce sont les deux questions. Je ne sais pas si... Sim. Então, a primeira questão é a seguinte. Ele disse que a arte supera a realidade. Ele fez o exemplo das mendigos de Murillo. Que a religião supera a realidade. Ele fez o exemplo do além. Né? E ele disse que a filosofia supera a experiência. Assim estava no texto, mas ele explicou depois de uma explicação verbal que para ele a filosofia supera a realidade. Como, bom, a pergunta era a seguinte: dizer que a filosofia supera a experiência e dizer a filosofia que supera a realidade me parecem duas teses distintas se ele defende as duas. E a segunda questão é me parece que Hegel é considerado como um inimigo do dado. E diz que a filosofia não tem pressupostos. Como ele defende a tese de que o mundo é algo dado para a filosofia? Essas são as duas questões. Merci pour ces deux questions. Et la deuxième question est redoutable. Je le reconnais. Donc la deuxième question est très difficile. Alors, s'agissant de la première question, j'ai probablement été confus dans mon analyse. C'est vrai que les notions d'expérience et de réalité peuvent être distinguées. Et par ailleurs, la question est de savoir ce qu'on entend par expérience ou par réalité. Est-ce que c'est par exemple
le donné immédiat ou est-ce que c'est le contenu du savoir tel qu'il est élaboré par la philosophie? Par exemple, on sait bien que chez Kant, die Erfahrung, eh bien, c'est le savoir construit par la science. Alors, donc, comment dire? Moi, ce que j'entendais dans mon exposé par réalité et par expérience, c'est la réalité et l'expérience immédiate. D'accord? Et donc, c'est pour cela que je les identifiais. Mais donc, je serais tout à fait d'accord pour dire qu'il y a chez Hegel une expérience élaborée, qui serait par exemple le contenu du discours philosophique lui-même. L'objet, la pensée philosophique objective. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais à corriger dans mon exposé, en fait. Alors, la deuxième question est vraiment difficile. Un moment. Você quer falar, já que a resposta foi dada a você, e sintetizar? A realidade é a experiência imediata, ou seja, o dado não elaborado. Não sei se todo mundo escutou. É, né? Bom. Alors, la deuxième question, elle est très importante, parce qu'en fait, on pourrait vous mentionnez le fait que, selon Hegel, Hegel dit que la philosophie n'a pas de présupposition, et donc on pourrait vraiment défendre la thèse selon laquelle, pour Hegel, il n'y a pas de données. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a tout un courant interprétatif contemporain, avec McDowell notamment, selon lequel, pour Hegel, le donné serait un mythe. Il n'y aurait tout simplement pas de données. Et donc, effectivement, cela affaiblit beaucoup ma thèse. Quelle est ma thèse? Ma thèse, c'est qu'il y a un point de départ immédiat pour Hegel et que cette immédiateté est niée. Ok, mais il y a bien quelque chose à nier. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que c'est assez facile à défendre, notamment à travers la citation de l'introduction que j'ai proposée tout à l'heure. L'idée générale, Hegel critique l'immédiateté, mais pour lui, l'immédiateté existe. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que l'immédiateté? Alors, l'immédiateté, ce n'est pas la sensation brute, simplement. L'immédiateté, c'est une notion structurelle. Et donc, ce qu'est l'immédiateté, cela change dans chaque processus. Par exemple, on peut dire que l'Orient, c'est l'immédiateté de l'histoire. On peut dire que l'art symbolique, c'est l'immédiateté de l'art. D'accord ? On peut dire que, que la pensée grec, c'est l'immédiateté de l'histoire de la philosophie. Donc, l'immédiateté, ça c'est une thèse très importante que je défendrai, l'immédiateté doit être niée, mais elle existe, d'accord ? Ce n'est pas un mythe, et l'immédiateté, c'est une notion structurelle qui change selon le processus considéré. Alors maintenant, quand on considère l'activité philosophique, je crois qu'on peut facilement admettre que pour Hegel, il y a un donné de l'expérience et que la philosophie part de ce donné, mais qu'elle le nie. Alors, quel est ce donné de l'expérience? Il est analysé de manière très variable par Hegel, mais c'est tout simplement, par exemple, mon expérience de l'État. Je fais une expérience de l'État brésilien, de l'État français, de l'État italien, et à partir de cela, ça c'est l'immédiateté donnée,
et à partir de cela, j'élabore une pensée philosophique de l'État en inscrivant l'État dans le devenir systématique. C'est en ce sens qu'il y a bien un monde donné, dirais-je, chez Hegel. Tu se traduz? Faz um apanhado geral, porque eu, como a pergunta é sua, vamos dizer, você captou o essencial do que ele respondeu. Tá. É mais fácil eu ficar tentando. Se eu tiver que traduzir tudo que ele falou e lembrar, a gente vai ficar aqui até... Não, pelo menos, aquilo que eu entendi como parte central da resposta é que, de fato, ele concorda que ele pode ser considerado como um inimigo do dado e do imediato, e de fato tem toda uma corrente de intérpretes que trabalham muito com isso e que de fato são vamos dizer assim, representam uma alternativa interpretativa à posição que ele está apresentando. Ele mencionou McDowell, por exemplo. Mas para ele, ele defende a tese de que tem uma imediatez, mas, ou seja, para Hegel tem um imediato, mas o imediato é algo que tem que ser negado. E mediatizado e negado. Né? Ele não considera o imediato apenas como o imediato sensível, o dado sensível, mas é algo que é relativo a um processo. Ele fez um exemplo e disse, por exemplo, o Oriente é o imediato em relação à história, a Grécia é o imediato em relação à história da filosofia. E é algo que tem que ser negado pelo processo. Basicamente é isso, né? Okay. Confirma. Isso é bom. Merci. Quem mais? Ah, se os alunos quiserem fazer, a gente pode traduzir também. Ah, quem que estava primeiro, Marcelo? Você viu ou não? Depois do Diogo, a Márcia já tinha levantado a mão, é que vocês estavam juntos, você devia ter segurado o microfone aí, assim. Diogo, por favor. Merci pour la clarté et l'extraordinaire précision de votre présentation. J'essaierai de parler en français s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, dit. Une question, vous avez dit que l'esprit absolu fait une réconciliation qui n'existe pas dans le monde. Et aussi dans votre commentaire de l'explication de la peinture de Murillo, cette idéalisation, je vous demande si cette interprétation ne donne justement raison à ces critiques que disent que la philosophie de Hegel, c'est aliénante, c'est une forme d'aliénation et de nous mener à un monde qui n'existe pas. Bon, ce monde, cette réconciliation n'existe pas. Je pense aussi que vous avez dit que l'art, c'est seulement un ornement, une ornementation superficielle ou sans beaucoup d'importance. Mais je pense que dans l'introduction de l'esthétique, peut-être Hegel dit quelque chose contre cette interprétation de l'art, qu'elle serait très, très bonne contre les gens qui disent que l'art est bon parce que elle est, au moins on fait quelque chose, on ne fait pas de mauvaises choses. Donc c'est une activité très, une seule ornementation de la vie, mais je pense que peut-être elle est quelque chose de plus, mais quel est votre avis à ce sujet? Et aussi votre conclusion qui oppose la souveraineté de la philosophie à la contradiction de l'expérience. Il est vrai, le problème de la souveraineté de la philosophie, c'est vraiment un problème très important, mais je vous demande si la philosophie elle, n'est elle-même contradictoire. La
philosophie n'a la contradiction dans elle-même et donc elle ne pourrait pas s'opposer à l'expérience contradictoire, mais peut-être s'il n'est pas la contradiction de la philosophie qui est l'expérience, la vraie expérience, bon, sont seulement des notes et des questions. Devo tentar traduzir? Vou fazer um resumo pequeno. Um resumo. A primeira questão foi se a afirmação de que o Espírito Absoluto faz uma reconciliação que não existe, não dá razão aos críticos de Hegel que criticam a sua filosofia por ser uma alienação. Por outro lado, sobre a arte, se ela é um mero ornamento ou se é mais alguma coisa do que um simples ornamento do mundo. E, por fim, a oposição entre a soberania da filosofia versus ou contra a contradição da experiência, se há aqui uma verdadeira oposição porque a filosofia tem nela mesma contradição e, portanto, não se oporia à contradição. Merci. Bom, merci por ces trois très difficiles questions. Très belle question. Alors, la question que vous posez, c'est, voilà, c'est quel crédit accorder aux gens qui reprochent à Hegel d'inventer un monde qui n'existe pas, hein? Et est-ce que, en quelque sorte, mon interprétation de Hegel ne va pas dans le sens de ce reproche? C'est ça votre première question. Bon, non mais, alors, en quel sens? Oui, alors lorsque je dis c'est un monde qui n'existe pas, je pense que je vais un petit peu trop loin en réalité. Parce que je ne dirais pas que la philosophie invente, j'ai peut-être employé ce mot, mais alors j'ai eu tort. c'est une idéalisation. Hein, et donc ce n'est pas du tout une création arbitraire. Par exemple, les mendiants qui, dans la réalité, sont des esprits. Hein, et donc, alors certes, Ils ont faim, ils ont froid, ils ont peur, c'est certain. Et ça, ce n'est pas dit par l'art. Mais ce sont bien des esprits qui, en tant que tels, ont fondamentalement un rapport de liberté avec le monde. Parce que c'est un rapport de subjectivité. Voilà, alors, enfin, je pense que Hegel dirait que ce que révèle l'art, c'est l'aspect le plus profond de l'expérience. Un aspect qui est certes masqué, aliéné dans la réalité, mais qui l'habite déjà. Voilà, l'art révèle, en fait c'est bien ce que dit Hegel, la vérité de l'expérience, c'est-à-dire le potentiel de l'expérience. Donc ce n'est pas une invention. Et de par ailleurs, si vous voulez, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que l'art, par exemple que la philosophie opère l'auf et boom de l'expérience? Prenons le cas de l'histoire. Quelle est la différence entre l'histoire et la philosophie de l'histoire? C'est tout simple. Hein. L'histoire, selon Hegel, est fondamentalement violente. Voilà. Et dans l'histoire, on meurt. On souffre et on meurt. Bon, voilà. La philosophie de l'histoire, que nous pratiquons, nous, par exemple, en ce moment, c'est une activité par laquelle nous nous réconcilions avec nous-mêmes, par laquelle nous nous satisfaisons. Hein. Et il y a un vrai bonheur à faire de la philosophie de l'histoire. En même temps, la philosophie de l'histoire montre le malheur de l'histoire. D'accord ? Hein ? La philosophie de l'histoire, selon Hegel, n'est pas du tout mystificatrice. Mais simplement, on peut dire qu'elle abolit la violence et le malheur dans un exercice de pensée libre. C'est en cela, si vous voulez, que elle est auf et bung de l'expérience.
Bon, ça, c'était le premier point. Est-ce que vous voulez traduire ou... Posso tentar. Na verdade, o Espírito Absoluto traz vem mostrar um potencial de reconciliação que existe na realidade, um potencial de idealização que existe já no mais profundo da realidade. Por exemplo, a história é um desfile de dor e sofrimento e a filosofia faz aufhebung disso numa conciliação. Merci. Alors, votre deuxième question, l'art n'est pas aussi superficiel que je le prétends. En effet. bon, j'ai, disons que l'hégélianisme est une philosophie de la négation, et donc Hegel insiste beaucoup sur la rupture. Et donc, je crois qu'il y a en effet une rupture infinie entre la philosophie et l'art. Mais en même temps, l'art, c'est de l'esprit absolu. Hein? Et donc, l'art, d'abord, est une présentation de la totalité de l'expérience. Et l'art présente une totalité réconciliée. L'art est pratiquement à la fin du processus encyclopédique. Donc, il est clair que pour Hegel, l'art a une dignité extraordinaire. Il y a plus de vérité, me semble-t-il, dans l'art que dans la politique, par exemple. Et infiniment plus que dans l'esprit subjectif. Donc, en effet, il faut reconnaître que l'art a une teneur de vérité qui vraiment est à prendre au sérieux. Vous avez raison. Quanto à questão sobre a arte, o professor chamou a atenção que ela é ponto culminante da enciclopédia e que, portanto, por exemplo, ela tem mais verdade do que a política ou mais verdade do que o espírito subjetivo e, portanto, ela tem uma dignidade muito elevada na enciclopédia. D'accord. Et donc, votre troisième question, est-ce que la philosophie n'a pas, elle aussi, la contradiction en elle-même? Oui, certes. Et la philosophie se caractérise, la philosophie spéculative se caractérise, elle aussi, par le conflit absolument, par des oppositions... Mais je pense que ce sont des contradictions d'une nature spécifique. Parce que la philosophie est en progrès, la philosophie n'est pas d'emblée entièrement légitimante. Par exemple, la philosophie relève toujours de la pensée, pour Hegel. La philosophie procède toujours d'une subjectivité autonome. Alors que ce qu'elle a à penser, l'expérience qui est à penser, ce sont notamment des expériences d'hétéronomie complète, la mort. Par exemple, donc la philosophie est immortelle, pour Hegel. Alors qu'elle doit penser la mort. Quand on fait de la philosophie, on ne souffre pas, il n'y a pas de douleur physique, par exemple. Et ce que doit penser la philosophie, c'est la douleur, c'est l'injustice. Donc, en effet, il y a aussi de la contradiction dans la philosophie. Il y a des difficultés à surmonter, mais qui sont... On est quand même fondamentalement dans la réconciliation, dirais-je. Quanto à terceira questão, as contradições da filosofia ou na filosofia são de uma natureza específica, são contradições dentro da reconciliação, dentro de elemento de reconciliação e, portanto, há contradições como a morte ou outras
que a filosofia, ou o sofrimento que não pertencem propriamente à filosofia. Merci beaucoup. É, acho que eu vou falar, vou fazer bem curtinho, porque acho que está todo mundo cansado. Je ne sais pas, peut-être je peux parler en allemand? Yeah. Ok. Então, vou falar em alemão, porque eu sempre falo em alemão com ele. Então, zwei ganz kurze Fragen über die Kunst. Né? Und. Also besonders über das Beispiel, das du gegeben hast, also die Malerei von Murillo. Also die erste Frage, deine Interpretation über eine Idealisierung. Vielleicht kannst du ein bisschen weiter erklären, weil eigentlich solche Beispiele der Genre-Malerei, ne? Hat nicht mehr genau mit dem Begriff des Ideals von Hegel. Ne? Also eigentlich ist schon, also ich würde sagen, die Hauptelement in dieser Art von Kunst ist meiner Meinung nach die Freiheit, die Freiheit der Kunst. Ne? Die sogar etwas nicht Schönes zeigte, also vielleicht kann man sagen sogar hässlich, ne? Also die Armut und so weiter und nicht mehr das Ideal an sich. Ne? Dann würde ich ein bisschen eine provokante Frage stellen. Meinst du, dass wenn du vielleicht ein anderes Beispiel nehmen würdest, vielleicht zum Beispiel ein Werke von Dichtkunst, eine Poesie, so eine Dichtkunst, also zum Beispiel sagen wir das Theater von Schiller zum Beispiel. Ne? Also konntest du dann genau so erklären, dass die Kunst zum Ersten, na gut, Diogo hat schon ein bisschen gefragt, was ich auch gedacht habe, also diese These der Oberflächlichkeit, ne, der Kunst. Aber meinst du nicht, dass im Fall der Dichtkunst, im Fall der Literatur, im Fall der Poesie nicht mehr passte dieses Schema, dass die Kunst Idealisierung der Realität ist und vielleicht ein bisschen mehr genau das Widerspruch des Lebens sogar oder Theater als Kunst des Handlung ist, dann wäre ein bisschen schwieriger. Ich hätte nur eine Frage, aber ich glaube, das reicht schon. Ich werde ganz schnell übersetzen. Minha questão era, eu ia fazer várias, mas decidi fazer só essa, ficou muito longa, que é a questão da como ele usou o conceito de idealização nesse exemplo da pintura do Murillo. E eu questionei que, na verdade, o conceito de idealização, na estética, pelo menos, não é usado em relação a esse tipo de obra que seria pintura do gênero, que, na verdade, são exemplos que o Hegel dá de obras que não são mais belas. Na verdade, se você olhar Os Mendigos do Murillo, você pode até ver o feio e não mais o belo ideal. E aí eu perguntei para ele se esse esquema que ele usou no sentido de colocar a hierarquia entre a arte e até a filosofia, se ainda caberia se ele, por exemplo, usasse um outro tipo de arte como a poesia, e aí eu sugeri o exemplo, por exemplo, né, o teatro do Schiller. Né? Se aí, nesse caso, a gente não poderia mais falar de idealização e a gente talvez pudesse pensar, inclusive, na própria contradição e na arte do teatro como uma obra da ação e se isso caberia falar nesse sentido. Bom, mais ou menos.
Ja, ich versuche ein Argument und finde nicht. ja, eigentlich kenne ich die Texte nicht so gut, nicht so genau, dass ich sehr, ja, dass ich genau antworten könnte. Ja, die Frage ist, ob die Texte über die Literatur, insbesondere über die Poesie, die meine Hypothese bestätigen würden, dass die Kunst nach Hegel immer idealisieren ist. Das ist die Frage. Ja. wer kann mich helfen? ja, das ist ein SOS an das Publikum. ich glaube, es gibt zum Beispiel Texte über den Cid, den Romancero des Cid, ja, und Hegel sagt, aber wie heißt sie auf Deutsch? Ximenes? Ja, sie war so schön in ihren Tränen. Das könnte ein Argument, ja. Das könnte ein Argument sein. Ja. Aber also, dann ist die Gestalten, zum Beispiel des antiken Dramas, ja, sind immer Helden. Ja, so, sie sind große Individuen, obwohl sie tatsächlich Verbrechen machen. Ja, also ich würde, aber ja, ich kann es nicht beweisen. Ich habe nicht die Texte im Kopf, aber es wäre vermutlich möglich zu zeigen, dass nach Hegel sogar die schlechtesten Verbrechen, wenn sie in der Literatur dargestellt werden, kriegen eine Art Schönheit, ein Sinn, ja, ein allgemeiner Sinn. Ja. Und in diesem Sinne wäre die Literatur auch eine Art Idealisation. Ja. Nee, ich bin einverstanden eigentlich. Aber das ist eine andere Art von Schönheit, nicht mehr die Konziliation, nicht mehr die. Vou traduzir, né? Porque ele na verdade me perguntou assim, o que eu estava perguntando, por isso que eu não traduzi essa primeira parte. Mas ele acredita que de fato se pode continuar falando de uma idealização. Ele citou, por exemplo, o exemplo do El Cid, dizendo que há uma passagem que o Hegel fala exatamente isso, né? Quer dizer, é possível ver a beleza nas lágrimas, ou seja, mesmo na dor, mesmo no que seria o feio, o dissonante, também pensar numa forma de beleza. E eu disse que concordo que, de fato, mas é uma outra espécie de beleza. Bom, nós vamos encerrar na pergunta do Inácio, tudo bem? Porque o ônibus está chegando para pegar o pessoal. Alors... Você vai perguntar em chinês? Não. Não. Eu vou fazer a pergunta bem rápida, porque todos nós queremos já descansar, né? E, bom. Alors, merci beaucoup pour la conférence. Je vous ai posé une question à propos de la conclusion que vous avez formulée pour nous, à propos du sens que la vérité, elle... au niveau de la philosophie, elle représente une clôture. Et vous avez dit que Hegel ne pense pas au futur. Alors, ensuite, vous avez dit que on va avoir des nouvelles philosophies, des nouvelles questions. La philosophie de Hegel, en tout cas, elle va faire sûrement la Aufklärung. Elle va faire la Aufhebung. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de contradiction entre la méthode
et le système. Alors, je voudrais savoir, parce que vous avez dit aussi qu'il y a une insatisfaction à propos de ces sujets. Pourquoi? Non, mais je me suis peut-être mal exprimé. Je ne voulais pas dire que la philosophie hegelienne est capable d'opérer l'auf, est réellement capable d'opérer l'aufhebung des philosophies futures, mais Hegel pensait que sa philosophie était capable d'opérer l'aufhebung de toutes les philosophies. D'accord. Ok, oui d'accord. Alors, on est d'accord. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est insatisfaisant? Eh bien, moi, je trouve que la philosophie hegelienne manque un peu de modestie et que toute philosophie est faillible. Et peut-être que Hegel n'avait pas conscience du caractère faillible de sa philosophie. Voilà. Mais peut-être avez-vous quelque chose à objecter pour défendre Hegel? Bon, on va laisser pour demain. D'accord, pour parler demain. Merci. Bom, com isso nós encerramos, agradecemos a todos. Amanhã tem as comunicações de manhã, na parte da manhã, começa às 9 horas. No site tem, e no caderno de vocês também, tanto o horário delas quanto o resumo.